The way sometimes I see the sea as a straight wall. Why do you often, so often paint the wall of the sea? Because I... The seaport and... Well, because I lived there, on the Mediterranean, all my life, since I was a child. Et vous pensez que le paysage, vous, l'entourage, vous a influencé sur ce que vous avez fait? Oui, énormément, c'est sûr. Oh, quelle blague. Certainly, I certainly think that my... La Méditerranée, vous avez fait... Oh, having lived in Italy, certainly has influenced my painting. I wouldn't paint the way I do if I'd lived here all my life, I don't think. I wouldn't have the feeling of the distance. C'est un moment de convivialité avec l'ami de toujours, Julian Levy. Yves Tanguy est alors âgé de 54 ans et disparaîtra 6 mois plus tard, en janvier 1955. Et Kay Sage a 56 ans. Elle a encore 8 ans à vivre. Ils sont détendus dans la chaleur de cette douce après-midi de fin d'été. Cela fait plus d'une dizaine d'années qu'ils vivent ensemble. Ils sont tous les deux peintres. Si Tanguy a depuis longtemps accroché ses toiles sur les cimaises internationales, Kay Sage a commencé à peindre des tableaux surréalistes depuis 1936. I still do think that my perspective, the idea of the distance and that going away forever comes from having spent my formative years really in the Campagna Romana, where there is nothing but just that long road going away from you, always into the distance, and I think that that's... How do you compare that with the, or you just preserve it and use it in Canada? No, I don't use it consciously, but I think it has remained. I love the Campagna Romana, and I think it's remained in my mind as one of the things that I loved, was that feeling of the long road going away, which I always have. Son parcours a été nomade, atypique, compliqué, inattendu, prestigieux. Né dans la grande bourgeoisie new-yorkaise à la fin du 19e siècle, devenue princesse di Faustino à l'âge de 27 ans et Madame Tanguy à 42 ans, Kay Sage, artiste surréaliste, est dorénavant présente dans tous les grands musées et institutions américaines. Belle époque, année folle, année 50, qu'articulent ensemble deux conflits planétaires, l'ont informé de toutes les nuances de l'expérience humaine et de l'opiniâtre ferveur qu'il faut pour les inscrire en art dans la vie. I would like to hear the song.